Il est ultra speed et ultra nerveux dans le sens extrêmement vif intellectuellement. Retrouvez Squidog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous donne les 5 bonnes raisons de prendre un Jack Russell. La première bonne raison, c'est si tu veux un petit chien, mais qui est en fait un très grand chien. Et je vous le dis, il est très grand. Et bah si vous aimez ça, si vous aimez les petits chiens de caractère, si vous aimez les petits chiens, qu'en ont un petit peu, hein, et bah lui, il est fait pour vous. La deuxième bonne raison de prendre un Jack, c'est le rapport poids-puissance. Si tu aimes courir, si tu aimes faire des sauts, j'en sais rien, si tu aimes faire n'importe quoi, il est extraordinaire. C'est-à-dire que si tu veux un chien pour t'accompagner sur tes courses, à vélo, en roller, en trottinette, tout ce que tu veux, il est exceptionnel. Et donc là, tu vas pouvoir t'éclater et t'amuser avec lui. La troisième bonne raison, si tu veux un chien intelligent, hein, parce que pour le coup, le Jack, il est ultra speed et ultra nerveux dans le sens extrêmement vif intellectuellement. Il apprend très vite, très bien. Il est très précis dans ce qu'il fait. Il faut surtout pas t'en priver parce que lui va adorer, toi tu vas adorer. Et c'est comme ça que tu peux kiffer ta vie avec lui. Hein. La quatrième bonne raison de prendre un Jack, c'est si t'aimes avoir un chien qui, en fait, va te permettre de tester tous les jouets de la Terre, en fait. C'est-à-dire que tu peux lui prendre n'importe quoi, l'ultra dur, l'ultra machin, l'indestructible, le truc spécial tigre. Tu lui laisses une petite heure, ça passe dans le broyeur et c'est réglé. Et comme ça, après, tu peux écrire à la société qui a fait ça et tu peux leur demander des comptes. Parce que le Jack Russell, l'enfoiré, qu'est-ce qu'il en bouffe des jouets? Et enfin, la dernière bonne raison de prendre un Jack Russell, c'est que tu peux l'amener partout. Si tant est que t'as fait le petit effort de l'éduquer quand même. Tourbillonne. Parce que sinon, attention les dégâts, hein. Bon, maintenant qu'on a fait les bonnes raisons de le prendre, on va aussi faire les trois raisons où il faut pas le prendre. Hein. La première, si tu espères avoir un chien de canapé, tu sais, le petit chien tranquille que tu vas faire vivre à la cool, petite balade dans le quartier pendant une demi-heure, ça va lui suffire, il est petit, machin. Petit 1, ça ne suffit quasiment à aucun petit chien. Mais alors, si tu fais ça sur ton Jack Russell, commence à dire tout de suite au revoir à ton appart, à ta maison. À tout ce que tu vas lui laisser, en fait, tu peux commencer à dire au revoir parce qu'il va tout passer à la moulinette. Hein. Bref, en gros, si tu penses qu'un petit chien, ça ne s'éduque pas, oublie-le. Si t'as pas le temps de lui offrir la dépense physique, mais aussi la dépense mentale dont il a besoin, et attention parce que les besoins sont assez hauts, je te le dis tout de suite, ça va être un démon. Et il y a beaucoup de Jack Russell qui sont des véritables petits démons, tout simplement parce qu'on ne leur a pas offert ce qu'ils avaient besoin d'avoir durant toute leur vie. Et attention, parce que moi, quand je te dis de faire attention à la dépense mentale et physique, elle est un peu plus haute, voire même beaucoup plus haute, que beaucoup d'autres chiens. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Et enfin, si tu prends un petit chien en imaginant que ça prend moins de place qu'un grand dans un appart, par exemple, tu te trompes, mon ami, hein, parce qu'avec un Jack Russell, c'est pas compliqué, hein. Mieux vaut deux dogs allemands qu'un Jack Russell mal éduqué, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Bref, pour conclure, le Jack Russell est un super chien. Si jamais vous faites le minimum pour l'éduquer un tout petit peu. On voit beaucoup trop de Jack Russell qui sont soit agressifs envers les autres chiens, soit qui sont hargneux, soit qui foutent un bordel pas possible dans les maisons et qui détruisent tout. S'il vous plaît, éduquez-le. Ce petit chien-là, en fait, vous fait payer cash vos erreurs éducatives. Certains autres petits chiens sont, malheureusement pour eux, j'ai envie de vous dire, plutôt cool, c'est-à-dire que vous faites des conneries et allez, ils vont pas développer beaucoup de troubles de comportement. Lui, il va les développer et vous allez les payer, ces troubles de comportement. Donc s'il vous plaît, on éduque son Jack Russell, on éduque n'importe quel chien et on kiffe avec surtout. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.